nous venons célébrer avec vous quelles années de scolarité, quelles années passées ensemble, à se faire des amis, à vivre des choses extraordinaires, de partir d'un enfant pour devenir un grand adolescent et pour enfin devenir un adulte pour demain. Merci, Madame la proviseure, de cet immense honneur d'avoir aujourd'hui cette lourde tâche de marrainer la promotion qui, pour moi, est symbolique de l'ère dans laquelle nous vivons, tous ces élèves qui sont nés en l'an 2000. Alors certes, vous êtes les premiers millennials. Vous avez des compétences bien plus importantes que nos générations en termes d'ouverture, d'adaptabilité, de capacité à intégrer la technologie. Et j'avoue que je suis surprise d'année après année dans vos capacités à aller très vite. Mais soyez humbles, parce que l'avenir, et ce que nous réserve l'avenir, ne va pas être simple. On est dans des mondes de plus en plus imprévisibles, de plus en plus complexes, et votre force va être dans vos capacités à vous adapter à toutes les dimensions, toutes les cultures et toutes les technologies. Pendant 15 ans, vous avez suivi un enseignement à la fois évidemment français, marqué par la culture française, par la pédagogie française, mais également profondément marocain, avec la plus grande ouverture possible que nous avons pu vous donner sur d'autres cultures, sur d'autres langues. Je rappelle, la devise de la mission laïque française dans le monde, c'est deux cultures, trois langues. Évidemment, ça va vous donner des atouts remarquables. Vous allez vous en apercevoir dans la vie qui s'ouvre devant vous. Et dès les premières années des universités ou des écoles dans lesquelles vous allez rentrer, bien sûr. Mais j'espère que ce que vous aurez appris dans nos écoles, dans notre école, c'est un peu plus que ça, c'est-à-dire pas simplement la maîtrise d'outils du langage, hein, mais que vous aurez appris à penser, à réfléchir, à discerner. C'est là toute l'ambition traditionnelle de la culture française et de l'enseignement français. Chers élèves, je tiens en mon nom et en celui de mes collègues à vous féliciter pour votre sérieux, pour le travail régulier et remarquable que vous avez effectué tout au long de ces années de labeur passées au sein de notre prestigieux établissement, Lycée français international Louis Massignon. Nous sommes ravis de voir que vos études ont bien servi et sont ainsi récompensées aujourd'hui par l'atteinte de cet objectif, à savoir l'obtention de votre bac. Mes collègues et moi-même espérons vous avoir aidé à bien progresser dans vos efforts, à enrichir vos connaissances et également fournir le prérequis nécessaire non seulement pour l'obtention de ce diplôme qui demeure indispensable, mais également pour la poursuite de vos études supérieures. Oui, c'est peut-être pour la première fois où je m'exprime sur cette scène sans souligner ma petitesse, mais c'est parce que je voulais parler de quelque chose de grand, de nous. Alors pour finir, j'aimerais souligner un truc. Les gens disent souvent que les 2000, c'est des victimes. Mais moi, je trouve que non. On est courageux, tout au contraire. Je pense beaucoup à nos parents qui sont assis là à nous applaudir, même s'ils ne comprennent pas la moitié des blagues qu'on est en train de faire. Parce que c'est ça, des parents, après tout. D'honorables personnes qui nous soutiennent pour toute occasion, quelle que soit la raison, même s'ils ne sont pas vraiment sûrs de ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que je vous demande de les applaudir tous chaleureusement, pour les remercier simplement pour tout. On aimerait les remercier, et ce du fond du cœur, et mes parents plus particulièrement, pour nous avoir soutenus toute notre scolarité, moralement et financièrement, et ce jusqu'à aujourd'hui. Maintenant qu'on doit prendre notre envol, c'est à nous désormais de leur rendre l'appareil, de les rendre fiers de nous, tout comme je l'espère, nous les avons rendus fiers. Et enfin pour finir, à tous les livres non rendus du CDI, à toutes les permes séchées, à tous les mots dans le carnet qu'on a signés nous-mêmes, on vous aime. Changez pas et Inch'Allah, un bon bac à tous. ثانوية ماسينيون ثانوية في طور انتقال من مؤسسة
متوسطة الحجم إلى مؤسسة كبرى ومؤسسة دولية. اليوم تسمى الثانوية الدولية ثانوية ملويس ماسينيون الدولية. ومن هذا المنطلق لدينا طموح في أن يصبح كل تلاميذنا يعني طلبة دوليون ينتمون إلى جامعات كبرى، ونحاول أن نكونهم حسب البرامج الفرنسية والمناهج المتبعة في النظام الفرنسي لكي يتحصلوا على مكتسبات وعلى مهارات تؤهلهم إلى ولوج أكبر الجامعات الدولية، سواء كان الأمر في فرنسا، في دول أوروبية أو حتى في البلدان الأمريكية. Moi en particulier, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux. J'ai eu vraiment des élèves très sympathiques. Et ce qui m'a permis, donc en histoire-géographie, à les aider petit à petit à mieux comprendre le monde, à faire d'eux de futurs citoyens, hein, pour la plupart, puisqu'ils vont partir. Et donc vraiment les aider à mieux comprendre le monde, à comprendre comment il fonctionne et à analyser toutes les informations qu'ils peuvent avoir. Et l'ensemble des professeurs au sein de l'établissement est mobilisé à les former. On les accompagne pour l'examen, bien sûr, du baccalauréat, mais c'est aussi les aider à devenir de futurs adultes responsables. Cette cérémonie était très émouvante. Nous avons pu remercier à la fois les élèves pour la qualité de leur travail et puis surtout les parents pour la confiance qu'ils nous ont faite depuis 15 ans. Cette cérémonie s'est très très bien terminée parce que par un très très beau discours de nos élèves, tout à fait rigolo sur leur vie dans l'établissement, et je pense que ça a été une soirée merveilleuse, mais qui n'est que le début d'un grand avenir pour eux et pour toutes les familles qui nous ont fait confiance pendant tant d'années.